Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour la deuxième partie de la vidéo swap avec Sonia Legré. Donc comme tout à l'heure, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'attends qu'elle poste sa vidéo pour vous mettre le lien directement de cette vidéo swap avec moi. Comme ça, vous pourrez directement cliquer sur le lien et aller voir ce que moi je lui ai pris pour le swap. Donc voilà, donc on va prendre la deuxième partie. Donc c'est une boîte Sephora. Où il y a marqué bonus, donc je ne sais pas ce que c'est encore scotché. Voilà, tout de suite je prends des ciseaux. Déjà, tu m'en as déjà trop offert, ma belle. C'est complètement malade, comme malade. Donc voilà, j'en perds la moitié tellement il y en a à l'intérieur. Nous avons déjà un max que de chez Action, mon petit un masque aux amandes, je pense, comme ceci. Ensuite, nous en avons un autre, voilà, à la camomille, du miel, comme ceci. Nous en avons un autre à la macadamia, oui, un autre également macadamia, comme ceci. Je vais voir de quoi faire. Nous en avons deux autres comme ceci. Donc ceux-là, je les ai déjà testés, ils sont super. Donc je les adore et j'en avais plus. Donc merci. Donc c'est au concombre. Nous en avons deux autres aussi que j'ai déjà testés, mais que j'adore également. Donc ceci. Voilà. Donc c'est à l'abricot et à l'allemand. À l'allemand. Voilà, nous en avons deux autres également. Donc trois. Comme ceci, pareil, de chez Action. Donc je vais assez vite parce que j'ai déjà mis une vidéo de 31 minutes 29 secondes. Ensuite, nous en avons un comme ceci. Donc c'est un patch contour des yeux. J'ai du mal à parler. Comme ceci. Celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Donc super. Et encore des masques Sephora. Voilà. Celui-ci, masque yeux lift, un autre pour les lèvres au beurre de karité. Nous en avons un autre également pour le visage, comme ceci, en tissu. Nous avons également une petite fleur de douche. Ça, j'adore. Et allez, je m'en rachète une, donc c'est top. Donc ensuite, nous avons une lotion tonique, très tonique, visage et yeux. De la marque Sephora, donc également je n'ai jamais testé, donc merci beaucoup. Nous avons ensuite un petit beauty blender comme ceci. Voilà, ensuite nous avons une bougie Yuki Candle Halloween, ça sent super bon. Merci beaucoup. Ça c'est super parce que je voulais le commander sur Sephora. Donc c'est merciandise. Donc c'est une brume visage rafraîchissante. Donc super, ça doit sentir super bon. Mais oh, ça sent trop bon, merci ma belle. Franchement, c'est trop bon. Ensuite nous avons des lingettes démaquillantes à la grenade. Il y en a 25 à l'intérieur. Ensuite nous avons encore des lingettes démaquillantes au Junsu. Dessus, je ne sais pas trop comment on le dit, comme ceci, donc ceux-là sont aussi bon. Ensuite, nous avons un autre paquet visage, comme ceci, de couleur fer. Donc, j'arrive pas à lire à quoi c'est. Winty, donc ça doit être au thé, je pense. Voilà, c'est rempli avec les bonus. Donc, merci, c'est super gentil. J'adore les lingettes maquillants et les masques. Trop gâté. Ensuite, on attaque avec la deuxième boîte comme ceci, Sephora. Il y a marqué échantillon. J'en ai le petit scotch. Ouh là 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 là. Tu m'as trop gâté. Franchement, tu m'as trop gâté. Et je voulais te montrer, regarde. J'ai
j'ai profité de la petite pause entre les deux vidéos pour mettre le magnifique collier que tu m'as offert. Franchement, merci. Je ne te dirai jamais assez. Donc déjà, on reprend avec une auriculaire démaquillante de chez Sephora. Je m'en ai mis au bout du nez. Ensuite, nous avons de chez Benefit. Donc c'est une base de teint éclat délicate pour minimiser l'apparence des pores, comme ceci. Donc à l'intérieur, c'est un petit tube. Si, je n'ai jamais testé non plus. Ensuite, nous avons de la marque Polar. Donc c'est une au coton arctique. Voilà, c'est un gommage tendre, comme ceci. Ensuite, ça, c'est une brume bronzante. Merci. Je vais pouvoir bronzer cet été. Je vais la mettre de côté. Ensuite, nous avons une huile de douche apaisante de la marque Ritual, pardon. Je n'ai jamais testé non plus. Là, tu vas me faire découvrir la totalité. Ensuite, de chez Too Faced, j'attrape un lifter. C'est une base vraiment pour les yeux. Base pour les paillettes. Ça, c'est top. En plus, j'en voulais. Merci. Franchement, merci. Tout est prêt. Ensuite, nous avons une pochette magnifique de chez Sephora. Elle est vraiment belle. À l'intérieur, nous avons des échantillons de parfum. Donc, nous avons le Arizona. Ensuite, ton parfum que tu as acheté il n'y a pas longtemps, le Cacharel. Je vais le tester aussi également. Nous avons un échantillon Jimmy Choo Forever. Franchement, c'est trop. Et Nomade Eau de Parfum de chez Chloé. Là. Ensuite, parce que c'est pas fini. Hein. Pour ça, je préférais faire deux vidéos au poids des boîtes. Donc, nous avons trois masques à l'argile grise, à l'argile rose et à l'argile verte, comme ceci. Ensuite, nous avons un échantillon de fond de teint de chez Too Faced. Il y en a trois à l'intérieur. Voilà. Ensuite, nous avons une crème masque pour de la marque Clarins. Un échantillon de parfum de la marque Burberry. Franchement, trop gâté. Ensuite, nous avons un fond de teint pour les peaux seconde peau. Voilà, nous avons le 5 et le 5,5. C'est Giorgio Armani. Donc, il y en a deux. Ouh là là. Après, nous avons le Aura de chez Mugler en échantillon de parfum. Nous allons également de la marque Balancem. Donc c'est une eau micellaire nettoyante rapide à tester également. Franchement, c'est un magnifique swap que j'ai fait avec toi. Tu m'as trop gâtée. Tu es un amour, franchement Sonia, tu es un amour. Tu es une femme avec un grand cœur et tu es tellement gentille que ça en est trop quoi. Donc on continue avec la marque Sephora, un super démaquillant aux yeux waterproof. Après de la marque Si, enfin de Giorgio Armani, le Si Passion. J'aurai de quoi faire ma copine, je te le dis. Après nous avons toujours de Giorgio Armani, le Si, que j'ai en parfum mais qui m'en reste presque plus, j'essaie de l'économiser, c'est ma belle-mère qui me l'a payé. Ensuite, nous avons un magnifique petit flacon de chez Benefit qui est un anti-cerne
hydratant comme ceci. Appliquer également, toujours de chez Benefit, nous avons un gel volumateur sur cils. Ensuite, nous avons un Glam Glow comme ceci. Il y en a deux. Ensuite, de la marque Polar, nous avons la visage zone sensible. J'aurais dû prendre mes lunettes, comme d'habitude, j'oublie toujours. Et de chez Estée Lauder, nous avons un teint longue tenue, comme ceci. Ensuite, de la marque Cartier, nous avons l'eau de toilette, la Panthère. Toujours des petites bouteilles à l'intérieur, comme ceci, voilà. Ensuite, nous avons une poudre fixante banana. Celle-là, je ne l'ai jamais testée non plus, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, merci beaucoup. Ensuite, nous avons toujours de chez Benefit, donc c'est un gel volumateur sourcils également. Donc, c'est un petit mascara pour les sourcils. Ensuite, de chez Estée Lauder, je trappe une crème global anti-âge, pouvoir cellulaire, comme ceci. Franchement, c'est trop tout ça. Après, nous avons un masque réparateur de teint, de la marque Herboriste. Ensuite, toujours de chez Benefit, nous avons un blush temp liner. Voilà, il a un petit paquet à l'intérieur. Ensuite, de chez Estée Lauder, nous avons une crème globale anti-âge pouvoir cellulaire, comme on a dit tout à l'heure. Et celle-ci qui est une crème globale anti-âge. Voilà. Merci des produits à tester. Je n'ai jamais testé. Ensuite, nous avons un parfum, nickel je crois, je sais pas trop, j'arrive pas à lire, désolée. Et ceci, c'est une crème lift dynamique de la même marque. Ensuite, j'attrape un échantillon Arizona, encore deux parfums. Pardon, je vous montre le mauvais côté. Voilà, et pour terminer, il me reste trois petits échantillons augmentés de la marque Estée Lauder. Nous avons encore un fond de teint longue tenue comme ceci. Ensuite, nous avons une base de mascara brun foncé. Et nous avons au-delà du mascara comme ceci. Voilà, ma petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Sonia, franchement, tout est trop, comme je t'ai déjà dit. Tu es une femme avec un cœur énorme, et je te fais d'énormes bisous. Et je t'envoie un message après pour te remercier, bien sûr. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde.